Hello mes loulous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube sur Ekideo. Je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais on m'en a beaucoup redemandé. Du coup, aujourd'hui, vous allez un petit peu voir ce que je fais quotidiennement sur Ekideo, quand je me connecte, si j'ai le temps, etc. Enfin bref, du coup, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup pour commencer je regarde mes notifications. Bon, voilà. Donc déjà on n'a plus de litière pour le bo enfin pour les box du coup. On va en acheter. Et je prends que du lin parce que c'est la meilleure, tout simplement. Enfin, c'est la meilleure. Techniquement, vu que c'est le plus cher, c'est la meilleure. Je vais en prendre 1000. Ah! Non, ça coûte trop cher. On va en prendre 100. Ouais, hein, c'est pas mal. Voilà. Je vais aussi faire un petit tour sur le pourcentage de mon club. Ouais. Peut-être modifier. Oula, non. Je voulais regarder, mais non. Beaucoup trop cher. Ensuite, du coup, je vais faire mes objectifs. Participer à 15 compétitions. Saisir une licorne. Wouhou, j'ai du mal à parler. Ouais, donc on va y aller. Elle, enfin toi, tu vas participer à du CSO. Du coup, CSO, CSO. Je sais pas si elle va gagner, on va faire un tour directement. Non. Résultat des compétitions. Classique. En cours. On va actualiser. Cinquième classe. Chouette. J'ai deux messages. Ok. Du coup, si vous voulez que je fasse aussi une vidéo où je réponds aux messages que je reçois sur Ekideo, il n'y a pas de souci. Juste dites-le moi dans les commentaires. Et puis je réponds à tout le monde, hein. Vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, j'accepte pas encore les demandes d'amitié. Peut-être à voir par la suite, mais pour l'instant, non. Du coup, on va continuer avec les chevaux. Compétition. Compétition, compétition, compétition. Je cherche, je cherche, je cherche. Bon allez hop, barrel racing. Hop. Dans tous les cas, c'est juste pour compléter l'objectif. Donc voilà. Toi. Toi, 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 toi. Bah, dressage. Hop. Ouh, un poids de glissement. Non. Voilà. Ouh, trois. Pas mal. Du coup, toi, 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 toi. Endurance. Cross. Allez hop, on va faire du cross. Ensuite, toi, 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 toi. Cross aussi, tiens. Pour changer. Toi, toi. Qu'est-ce qu'on va te faire faire? Dressage. Est-ce qu'il a de l'énergie? Non. Allez hop. Vas-y. Hop. On lui dit quoi du coup? On a dit dressage. Hop. Entraînement, bah t'as tout de compléter. Et toi? Oui, ça va. C'était bien. Je me souviens plus trop de toi. Toi, toi, toi. Oh. Bon, allez, un petit cross. Quoique. Non, un dressage. Hop. Toi, j'en ai déjà fait faire, hein, donc on va te laisser tranquille. Je vais aller voir un petit peu les résultats, du coup. Oh, bah tiens, premier. C'est bien ça. C'est nickel chrome.
Du coup, mes autres chevaux, qu'est-ce que j'ai? À qui je peux faire des compètes? Non. 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 Pas toi. Ah, je sais, je sais, je sais. Demi-tour, on va aller dans les poulinières. Et voilà. Catching. Ok. Non. Ah, oh, quoi, on pourrait tester. Bon, lui, en dressage, hein. Galop, tiens, changer. Dressage. Et je n'ai pas déjà fait beaucoup. Non, ça n'a pas mis que j'avais validé un objectif. Du coup, on continue. Dressage. Trail class. Ok. Bon, allez, hop, ça chie. Et toi, oh, toi t'es plutôt doué. On va mettre en CSO. Et toi, en cutting. Tac. Ah! Vous avez complété un objectif. C'est nickel ça. Ça y est, une licorne. Une licorne. Oh là 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 là. J'arrive pas à parler. Donc on va retourner dans les poulinières. C'est pas une licorne. Non. Oh, troisième d'ailleurs. Ok, donc on a soit cheval islandais. Je vais voir mes trophées déjà. Ouais. Bah, je pense qu'on va faire on va faire lui, on va pas se prendre la tête. À l'âge de 17 ans. Ouf. Flemme un peu. Troisième, bien. Bon, non, j'ai plus de licorne, je crois. Du coup, les spéciaux. Non plus. Ah, bah oui, c'est là. Ah, mais je suis bête, je connais même pas mon propre élevage. C'est un truc de ouf. Mais je crois que de toute façon, les poulinières, elles sont toutes là-bas. Donc. Là, je crois pas qu'il y en aurait une avec le bras de Morphée. Tant pis, on va prendre la première qu'on avait vue, c'est Bailey. Puis ben, on va la faire vivre. Est-ce qu'elle peut gagner? Non, non, elle peut pas. Oh non, elle peut pas. On va l'inscrire dans le centre équestre. Et voilà. Oh non, je suis bête. Je suis bête. On va user mon fourrage et tout. Enfin bref. Allez, hop. Est-ce que par contre. Ah oui, elle a la pierre philosophale. C'est nickel ça. Que au moins. Qu'elle meurt pas comme ça. Avec le jeu. Ouais, après. Tac, tac, tac. Allez. C'est quoi ces chevaliers islandais? Bon bah c'est parti. De race chevaliers islandais. Tac. Moi quand je cherche des saillies, je mets toujours comme ça. Et là, je crois que je mets 5000 et après je regarde. Ouf! Bon bah n'a pas grand choix, hein. Voilà.
va prendre celui-ci. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait pour avoir des licornes. À part qu'il fallait un cheval de la même race. Mais voilà. Je suis une ancienne joueuse, mais j'ai encore un peu de mal. Soit. Du coup, j'ai réussi un objectif, je le valide, et je retourne du coup auprès de ma jument. Donc voilà. Donc, du coup, information. Ouais, lui, ça y est. Pourquoi j'ai pas regardé ça plus tôt? De toute façon, il n'y avait pas, je suis bête. Si? Non? Si? Ah non. J'ai rien dit. Ouais, enfin bref. Soit. Du coup, on va continuer à la faire vieillir. On va faire naître ce petit poulain et croiser les doigts pour que ce soit une licorne. Je pense que je l'aurai encore fail, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire. Oh là là. Personnellement, je regarde jamais quand il y a des échographies parce que ça me stresse trop. Je préfère avoir la surprise. Il est hors de question que je sache si j'ai une licorne ou non. Je croise les doigts pour en avoir une parce que c'est rare quand j'arrive à avoir des bébés licornes. J'aimerais bien, s'il vous plaît. Ah ah, verdict. Raté. Non, mais... Non, mais sérieux, comment on va l'appeler? Je suis en train de réfléchir. Je vais mettre un affixe. Hop. Bah. Je suis en train de réfléchir. Ah, mais si, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, on va l'appeler Miss. Allez, hop. Voilà, voilà, encore un autre cheval, encore une autre licorne de ratée. Bah, il va arrêter de bugger, mais il veut pas que je lui donne à boire, c'est un truc de ouf. Alors, et du coup, génétique, ouais, bon, ça va. 30% islandais, pur islandais, c'est bien. Du coup, on va aussi faire un tour, donc, au jeu du jour, enfin, du mois, je sais pas trop comment on dit. Et puis, voilà, voilà. Donc là, c'est l'évolution. Je connais pas trop encore parce que j'ai commencé que hier. Donc voilà. Je sais pas quoi trop vous dire. Juste qu'il faut croiser pour obtenir des trucs. Et si ça vous convient pas, bah, vous faites la flèche retour comme moi j'ai fait. Et puis voilà. Attends, toi tu vas là. Et tu vas là. Tac. Ok. Ok. Ah, maintenant j'en ai pas assez. C'est quoi, c'est des éperons? Non, on veut pas. C'est quoi ça? Je crois que ça m'a mis un truc. Attendez, pousse. Non, c'est nul. Je n'en veux pas. Et ça, ça fait quoi? Non, ça fait une longe. Je n'en veux point. Une orchidée, ouais, j'avais déjà fait. Oh mon dieu, je non plus. Et non plus. C'est pas fifou, hein. C'est quoi ça? On va aller voir. Ce d'aroma, tiens, revenir avec le cheval, ça va aller. Ouais, non. Non plus, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait ça? Seul. Non. Oui, ça j'ai déjà fait. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Comment vous dire que ce jeu me lasse. J'arrive jamais à rien. Mais moi, ce qui m'intéresse fortement, c'est d'avoir bah ça. La robe Anne d'Autriche. Ou alors, c'est quoi ça? Bon, c'est un compagnon aussi. Et ça. Ouh.
Ok, ça m'intéresse par contre. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi? Le parc d'harmonie, j'ai bégayé. Le cinquième élément, quoique non. Et comment on fait pour gagner le cheval divin? Ah oui, c'est la couronne de Tiché. Et ça, on la gagne comment? Je me souviens plus du tout. Oui, ok. Ah. Ok, rien de niveau 8. Débloqué. Ok, bon. Bah, j'ai envie de vous dire, hein, je suis là, j'en ai déjà un comme ça. Qu'il ne manque plus que j'en ai encore. Puis voilà. J'attends. 6, 7, 8, il m'en reste 2. Ouais. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde tous mes chevaux, enfin mes poulains, qui sont dans mon instant équestre, et je m'occupe d'eux pour les faire vieillir parce que j'en ai marre d'avoir une tonne et une tonne et une tonne et encore une tonne de poulains. Alors que voilà, j'aimerais bien les faire passer à l'âge adulte. Ça serait plutôt pas mal. Du coup, bah voilà, je fais que ça tout le temps. Vieillir mes chevaux, enfin les coucher plutôt. Parce que j'ai pas 15 000. Voilà, point de vieillissement non plus. Et aussi, n'oubliez pas, si vous souhaitez me féliciter sur ma page, vous pouvez y aller. J'irai regarder, justement, on va aller faire un tour maintenant. Et je félicite en retour ceux qui bah, m'ont félicité. Et puis, bah voilà. Donc, ouais, je félicite en retour, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que je vous achète des chevaux, contactez-moi en message privé également. Bien évidemment, je rachète les chevaux de préférence sans affixe. Et voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois bien. On va continuer un petit peu. Hop, félicite encore lui. Et encore celui-ci pour terminer. Voilà. Et du coup, je voulais faire un autre truc aussi, c'était les poulinières. Je refais souvent des poulains. Je me plains d'avoir trop de poulains, mais j'en fais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Également, si un cheval vous intéresse, même si je ne le vends pas, vous pouvez toujours me contacter en privé pour voir si je peux également vous le vendre ou pas. C'est pas dit. Si je l'ai entre guillemets en double, que la robe, je l'ai en double et que du coup, pas je l'ai en double, bah, je veux bien vous la vendre. Mais tout ce qui fait partie de mes licornes, les spéciaux et les poulinières, je les vends pas, ni les quarter horse, enfin je pense pas. Peut-être ce que j'en doute parce que j'ai beaucoup de jumeaux et jumelles. Voilà. Sinon, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ouais. Du coup, je vais regarder mes passes à Palouza. Est-ce que. À Palouza, Palouza, Palouza. L'autre côté, non, ça doit être là. Oui, je les ai tous. Ok, donc pas d'Appaloosa. Toi, Welsh. Trophée. Là. Ouais, je les ai tous. Train de réfléchir. Beauty, pure race espagnole. Suis fatiguée. Non. Ah, je les ai pas tous. Pure race espagnole, j'en ai pas beaucoup. J'ai qu'un gris paumé et un gris clair. Donc, c'est parti. On va en faire un. C'est Beauty, je crois. Oui. Voilà ce qu'on va voir son équestre.
Celui-ci, tiens. Voilà. Donc, à 11 ans et 10 mois. Oh là 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 là. Il va falloir vieillir et vieillir encore. Et on peut faire. Oui! On peut te faire gagner 2 XP. Guillemets. Ouais, donc, hop. Tac, tac, tac. Allez, on va te faire vieillir. Ça va être long, je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Bon, allez, hop, mince. Je vais faire vieillir encore, encore. Tac, 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 tac. Oui, je te donne plein à manger, t'inquiète pas. Voilà, donc du pure race espagnole. Je vais regarder juste si c'est une pure race ou pas génétique. Ouais, ok. Pure race espagnole, hop. Génétique, hop. Non. Ah, je vais essayer. Mais c'est une licorne! Je viens de remarquer juste maintenant. Ok, donc. On va prendre la moins chère, on va pas se casser la tête. Mais je pense que je vais prendre quand même le plus foncé qui m'attire un peu plus. Voilà. Ok, c'est parti. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Vite. Est-ce que je sais pas si ça va fonctionner? Je me dépêche. 60 secondes, c'est 1 minute. Pas avoir beaucoup de temps. Hop, hop, vite. Allez. Non, on n'a pas réussi. C'est pas grave. De toute façon, je l'avais pas, donc, enfin, j'avais pas cette robe, donc c'est bénef. Ok, donc. Comment je vais l'appeler? Bah tiens. Voilà. J'ai envie de vous dire. Hein. Hop. Et voilà, il est couché. C'est nickel. Donc voilà mes loulous, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter. Et surtout de vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!